Merci pour fidélité avec Bladi Info Sport et bienvenue yon l'autre fois encore sur plateforme là côté n'a continuer informer ou sur ensemble d'actualités sportives yo. Mais ou même qui tombé pour la première fois sur vidéo Bladi Info Sport, pas négliger abonner avec plateforme là et partager vidéo ça pour capable aider travail là faire plus chemin. Carlo Ancelotti qui s'est entraîné Real Madrid fait gros déclaration en conférence de presse à la veille match à football côté qui Real Madrid a recevoir Villarreal dans Santiago Bernabéu. Coach italien, monsieur parlé de Xavi Hernandez, monsieur parlé de avenir aussi dans l'équipe Real Madrid là. N'après toute déclaration Carlo Ancelotti concernant monde qui pourrait tirer penalty dans Real et n'a parlé tout de match football là, monsieur fait gros déclaration et qui gardien qui va capable titulaire, est-ce que c'est Kepa ou bien est-ce que c'est Lini? Eh bien, Carlo Ancelotti, monsieur te répond à la question ça, et ça très intéressant, nous voilà, ouais, déclaration Ancelotti concernant Hendrik. Voilà, fanatique, pas oublier soit à peine rejoindre nous sur channel là. Eh bien, c'est abonner avec nous, activer la cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager la vidéo ça, une façon pour plus de monde capable de découvrir le travail. Première question posée par Carlo Ancelotti, comment nous allons aborder le match à football là? Monsieur dit, nous vraiment proches de Noël là, nous est pratiquement doué gagner une grande équipe, nous avons une très bonne période, résultat montre ça. Moi, ouais, un groupe qui vraiment motivé, avec envie pour bien finir l'année 2023. Yo dit Carlo, est-ce que vous prétendez un cadeau de Noël dans mes équipes Real Madrid là? Est-ce que c'est une prolongation? Monsieur dit, cadeau que j'ai déjà gagné, hein, c'est entraîner Real Madrid. Ça, c'est un gros cadeau. Kounye là, moi pense pour me bien terminer deux matchs qui étaient pour l'année 2023. En yé encore. Je dis, monsieur, année ça, est-ce que c'était vraiment année qui était plus calme pour vous? Monsieur dit, pas qu'on est. Nous avons vraiment géré saison bien, malgré les problèmes que nous rencontrons dans la cause des blessures. Moi, vraiment confiant, c'est certain. Un entraîneur, lui doit toujours garder et vraiment ça qui a venu. Sur l'avenir, il doit concentrer sur les futurs. Monsieur dit, route là, li très longue. Si vous avez un seul conseil avec Hendrik, qui ça ou tap deal? Monsieur dit, moi pas connais vraiment. Parce que Hendrik, li a progressé très bien, c'est certain. Moi, justement, tap deal pour profiter du moment. Monsieur a pratiquement vini, li rend nos visites et nous parler avec lui. Mais nous pratiquement pas capable de compter sur football lien avant mois juillet 2024. Conseil-moi pour Hendrik, c'est profiter moment. Rudiger fait connaître c'est chaque jour l'a demandé avec Toni Kroos pour ta jouer Coupe d'Europe 2024 là. Est-ce que t'as prémé pour Toni Kroos t'as retourné dans l'équipe et nationale allemande là? Monsieur dit si Toni Kroos joue pour l'Allemagne, l'Allemagne a une chance pour lui gagner vraiment une dans les meilleurs milieux de terrain dans le monde actuellement. Je demande Carlo, si demain, dans Real Madrid, je demande pour renouveler, est-ce que tu as prêt à faire ça? Je dis, eh bien, silence, silence. Il y a une autre question. Mais pendant que Carlo dit ça, M. Terry, je dis, si le club est content, moi-même tout moins content. Nous pas pressés pour nous prolonger et nous pas gagner problème. C'est comme ça Carlo lui-même te répond à la question ça. Le modèle qui est-ce qui tire penalty dans l'équipe Real Madrid là? Monsieur dit année dernière c'était Modric. Mais comme saison ça Modric lui-même n'a pas joué en pile la minute, ça a vient changer. Au selou, il tire penalty très bien. C'est même bagaille là. Parfois tout au selou pas joué en pile là. On va connaître vraiment l'ordre là, parce que nous gagnons un problème de hiérarchie. Même pas gagner l'impression que gagnons un problème avec penalty. L'autre question yo posé Carlo Ancelotti, qui est-ce qui a titulé comme gardien de but pour l'équipe Real Madrid là? Monsieur dit, moi déjà prends décision mais moi poko parler ça. Et m'pas voulu que gardien yo apprenne ça ici à la conférence de presse.
moi pour parler avec eux d'abord, moi pas voulez que yo apprenne ça par la presse. Et fanatique football, monsieur dit gardien de bio vraiment fait m'a douter parce que tous deux gardiens nous gagnent là actuellement qui disponible yo très bon. Est-ce que vous pensez à venir football là capable de passer par une Super League? Monsieur dit nous devons retourner le 21. C'est ça que me pense. C'est une date qui est capable de changer l'histoire du football aujourd'hui. Pour l'instant, il faut que nous retenions. Mesdames et messieurs, qui ça qui distingue Hendrick? Monsieur dit, Hendrick, il n'a pas appris espagnol. C'est un garçon qui est très content pour ça qu'il a déjà accompli dans le football. Et Jacques, qu'on a habitué d'il, et Jacques, qu'on a dit, monsieur, il doit profiter de moment ça que la vive là, concentré sur l'équipe olympique là. Et n'a pas retenu en mois juillet 2024. Le monsieur Xavi déclare que, eh bien, le club qui est plus difficile pour entraîner, c'est FC Barcelone. Monsieur dit, je ne connais pas vraiment qui club qui est plus difficile pour entraîner, mais les critiques entraîner, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Si on travaille côté que, yo a jugé que résultat, mais pas méthodologie. Je dis, ça qui a décidé à venir yon entraîneur, c'est gagner. Et nous-mêmes, entraîneurs, nous devons accepter ça. Xavi connaît ça aussi. Et pour moi-même, Xavi, c'est un grand professionnel et un grand entraîneur. Ou dit que ou pas pressé pour prolongation à Real Madrid? Qui calendrier? Je dis, 1er juillet 2024, c'est laisse ça, mon pas capable et vraiment penser avec avenir. Mais qu'on est là, nous ici jusqu'au 30 juin 2024, c'est comme ça Carlo lui-même il te répond. Pas oublier sur à peine rejoindre nos fanatiques, meilleure façon capable et supporter nous, c'est abonner avec channel là si vous pouvez faire ça, tout activer la cloche notification là on fait ça pas jamais rater une vidéo, quitter un like sous vidéo ça, commenter et surtout aider nous partager là on fait ça plus monde capable découvrir channel.